Pouf YouTube, bienvenue, nouvelle vidéo sur Overwatch. Aujourd'hui, on est le 25 janvier. Hier, c'était la sortie de Resident Evil 7, j'ai pas eu peur. Et aujourd'hui, on va donc découvrir ensemble la nouvelle mise à jour d'Overwatch qui s'appelle Année du Coq. C'est du 24 janvier au 13 février, donc ça s'arrête juste avant la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin, on la passera sur GTA Online, parce que sur GTA, tous les ans, on a une petite mise à jour GTA Online. Donc peut-être qu'on aura aussi quelque chose de cool à présenter le 14. Cela dit, pour cette mise à jour Overwatch, on a donc des nouveaux coffres en forme de caisse de feu d'artifice. On a un nouveau choc, capture du coq. Nouveau mode de jeu 6 contre 6, capturer le drapeau adverse tout en défendant le vôtre. C'est de la domination, j'adore ce mode de jeu. On va aller voir ce que ça donne. Alors, on a donc bien évidemment les coffres lunaires qui se débloquent. Mon niveau 100 qui arrive très bientôt. Et des pity skinners. Moi, un truc que j'aime bien faire, c'est, on va aller voir un petit peu les petits skin event. Donc sur Anna, on a celle-là. Je suis pas ultra fan. Très bien, on va regarder vite fait les petits skins. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Merci qui est un perso, enfin Ange en français, qui est un perso, un heal. Tout simplement, il redonne de la vie et de la puissance. J'aime beaucoup ce skin. 750, donc c'est pas trop cher. Bon, vous savez tous très bien quel skin j'attends en priorité, c'est bien évidemment sur Faucheur. On a... Oh, ils sont magnifiques les skins. Un petit peu en samouraï, quelque chose comme ça. Les skins sont vraiment, vraiment magnifiques. C'est génial. Bastion, je le joue aussi de temps en temps, donc c'est sympa. Chacal, Chacal aussi. Alors Chacal, je pense que c'est sa mise à jour à lui aussi. Chacal est très orienté explosif. Et là, bon, bah ça colle plutôt bien avec le feu d'artifice et tout ça. Jusqu'à présent, c'est du sans faute. Les skins sont magnifiques. Petit couchon. Et d'ailleurs, normalement, lui, il a été nerf d'ailleurs. Normalement, il grappe plus à travers les murs, donc ça peut être assez sympa. Diva, alors on regarde vite fait les skins, on prendra plus de temps peut-être par la suite ou qu'on fera une ouverture de coffre. Ok, petite Diva, ça marche, on approche de Faucheur, mon perso préféré. Alors là, il n'y a pas de skin, j'espère que Faucheur a un skin. Faucheur n'a pas de skin. Faucheur n'a pas de skin. Pourquoi? Pourquoi? Mon perso préféré. Même pas de skin. Putain, y'a rien. Y'a même pas d'entrée en scène. Y'a même pas de célébration. Pourquoi? Bizarre. Que fais-tu de l'esprit de Noël? Oh, il a une réplique. Ça, c'est du feu d'artifice. C'est nul. Déçu. Choqué et déçu. Mon perso préféré n'a même pas de skin. C'est honteux. Honteux. Déçu. Bah du coup, on regarde pas les autres, on s'en fout. Ah bah, je suis déçu. Bah très clairement, je suis déçu. Comment je vais faire? Voilà, je suis déçu. Ouais, bah ouais, fin du stream des installations, tout simplement. Moi, je suis un joueur de Faucheur, top FR, niveau DPS chez Blizzard. Voilà, ça parle... Niveau des stats en DPS, c'est sur une échelle rat super en fait. C'est pas sur une échelle de dégâts, c'est sur une échelle de rat super. En fait, ils se basent sur un petit peu les parties que je fais avant et puis ils ont fait une échelle. Et ils se sont dit, si on fait une échelle de dégâts, l'échelle est beaucoup trop grande en fait. C'est plus une échelle, c'est une grosse échelle. Et du coup, ils se sont dit, on va mettre en échelle de rat super. Vu que je fais beaucoup de dégâts sur une échelle de rat super, eh ben, ça permet que ce soit moins grand, sinon c'est pas lisible, il faut un escabeau pour monter en haut, sinon, vous voyez? Donc du coup, sur une échelle d'aura super, Faucheur, voilà, Faucheur, il est là. Déçu. Alors cela dit, on a donc les petits coffres spéciales mises à jour, qui sont des coffres lunaires. Voilà, j'en ai un. Ce qu'on peut faire, c'est l'ouvrir, histoire de se faire plaisir, et on refera comme la dernière fois, je pense, je rachèterai 24 coffres, donc pour 20€, et on fera une ouverture de coffre, c'est ce que je fais à chaque DLC. Parce que c'est vrai que les skins sont quand même assez sympas, même si on n'a pas Faucheur. Bon, voilà, take my money. Allez, allons voir. Ah, oh, c'est de la merde. Je suis bien content de ne pas l'avoir payé, celui-là. Cela dit, le feu d'artifice et tout qui explose, c'est magnifique. Hein. Bon, on garde ça. Alors nous, on va donc tester la nouvelle activité arcade qui s'appelle Capture du Coq. Deux équipes de 6 joueurs s'affrontent à la tour de Lili Jiang pour capturer le drapeau adverse tout en défendant le leur. Info.
amusez-vous avec l'arcade, patati patata, c'est du 6 versus 6, tour de Lijang, capturer 3 drapeaux. L'équipe ayant capturé le plus de drapeaux à l'expiration du temps gagne. Il y a un bonus de coffre si on win. On est parti. On va aller tester ça, mais quand même, un petit peu déçu au niveau des skins. Parce que bon, voilà quoi, Faucheur, il fait un peu plaisir, c'est dommage. Ah bah, Soldat aussi, il a rien, c'est bête, c'est un perso que je joue souvent. La petite Mei. La Mei, elle a quelque chose, je crois. La Mei, elle en a deux. Bof. Bon, bah c'est pas grave, j'aime pas trop. Qu'est-ce qu'on a? Le Nain, je le joue aussi. Le Nain, il a pas, en fait, je cherche des skins sur les persos que je joue. Ah, je joue Symmetra en ce moment. Alors... Ouais. Est-ce qu'on peut voir en faisant... Ouais, pourquoi pas. Non, il n'y a pas photo. Certains, c'est un peu dégueulasse. Là, on n'a rien non plus. Lucio, est-ce qu'on a un truc avec Lucio? Non. Tain, c'est bête qu'il n'ait pas mis sur Faucheur. Hein. Je suis quand même un petit peu déçu. Le gros, là, il est quand même bien sympa. Baji, avec le petit cochon, c'est cool. Et le bastion, il est vraiment ouf. Si je le chope pas dans les coffres, je l'achèterai parce que le bastion est vraiment magnifique. Avec un petit peu les dorures et tout ça. Le bastion est ouf. Le bastion, je l'achèterai avec la thune in-game si jamais j'arrive pas à le choper. C'est sûr et certain. Voilà, c'est sûr. Et oui, on va continuer Resident Evil 7, les gars. Ne vous inquiétez pas. J'attends juste de voir si mon copain est dispo. Voilà. Alors, vous savez quoi? On va prendre Faucheur. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est des DPS. Qu'est-ce qu'on a dans la team niveau 64? D'ailleurs, je suis bientôt niveau 100, alors j'ai hâte. Ça va être assez cool, parce que quand je vais être niveau 100, je vais donc redescendre niveau 1 et je vais gagner une petite étoile. Et à chaque niveau, on va gagner des coffres. Et là, on est sur une nouvelle saison, enfin sur un nouvel event. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais prendre un niveau, dans la logique, je vais gagner les coffres coq. Du coup, je vais farmer Overwatch pour passer niveau 100. Genre, je sais pas, dans deux jours ou peut-être ce soir. Je sais pas si ce soir... Ce soir, ça peut être difficile. Mais en fait, je vais farmer Overwatch pour être niveau 100. Quand je serai niveau 100, je vais redescendre niveau 1. Et là, vous allez voir que il n'y a pas qu'un cerveau ennemi. Quand je serai niveau 100, à chaque fois que je prendrai un niveau, je gagnerai un coffre. J'espère qu'on gagne les coffres d'event. J'espère ça. Par contre, je sais pas. Vous me direz Twitch si on gagne les coffres d'event. Mais si on gagne les coffres d'event, je vais farmer les nouveaux coffres. Ça va être génial. Parce que du niveau 1 au niveau 10, ça se fait en une après-midi. Voire même un peu moins. Et il y a moyen de choper 10 coffres. Donc si c'est des coffres spéciales, c'est génial. Alors nouvelle map, on va voir un petit peu ce que c'est. Oh, tour de Lijang. Alors je connais pas du tout les gars, c'est une découverte. Donc si jamais je joue mal, c'est pas de ma faute. Mais si je connais ça en fait. Si je connais, autant pour moi, je connais la map. Donc ça c'est notre drapeau qu'on doit défendre. Là. Ne vous inquiétez pas les gars. Oh putain, allô la life. Oh putain, la life a été hackée. Nice, c'est bon. Okay. Allez, go! Oh là! Fais gaffe! Je viens de Mei. Attendez. Nous, faut qu'on défende notre drapeau. Ok, nice. Donc, on doit aller choper le drapeau ennemi. On va essayer de faire ça avec Faucheur. Il y a moyen que je me TP. On va essayer de faire du beau jeu. Alors de base cette carte ça se passe ici, c'est une capture de points. Là c'est une capture de drapeau. L'objectif est attaqué. Le drapeau est là. Allez, tous sur la position. Oh non, genre quand j'active mon bazar. Oh c'est casse-couille. Nice. Go. Est-ce que je peux me TP avec à votre avis? On va perdre l'objectif. Allez. Je vous baise. J'étais un petit peu tout seul. Ok, c'est bien stylé ce qu'ils ont fait. C'est bien stylé. J'aime bien. C'est les coffres là qu'on gagne. Ah nice. Parfait Gavark, si c'est ça c'est vraiment ouf hein. Si c'est ça c'est ouf. Oh, attendez. C'est là. Ah ouais, par contre c'est bête, c'est qu'avec Faucheur qu'on est en mode fantôme, on n'est pas compté comme visible dans le jeu en fait. La map est vraiment magnifique hein. Ok, alors là on a un petit ulti. Voilà, ça va prendre le drapeau. Tu es dans ma ligne de mire. Ulti de soldat. J'ai besoin de heal.
monsieur. Ah, GG, 2 sur 3. Ok, on est en train de se faire prendre en fait. On est en train de se faire prendre. Faut qu'on y aille tous ensemble, je pense. Alors là, comme d'habitude, le teamplay vous en verrez pas dans cette game. Il y a peu de chances que ça joue teamplay. Allez, go! Je fais péter le mur du sang! Lucio! J'ai paumé Lucio. J'ai tenté une embuscade. Merci Pins. Alors, c'était un peu dégueulasse ce que vous avez vu, mais bon. Si je vous montre le vrai niveau, ça va être horrible. Merci Pins, ça fait plaisir, merci pour ton resub. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Voilà, c'est la game d'entraînement, hein. C'est-à-dire que c'est pas le vrai niveau que vous voyez là. Là c'est... L'écran est éteint pour vous dire la vérité, je vous sens le son. Véronique. Ouais, ouais, je l'ai faite. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, je l'ai faite. Véronique sans son. Voilà. J'ai un ulti, mais c'est chiant, on joue pas vraiment teamplay, quoi. Oh putain, et toi, je vais te défoncer, la petite Mei là. Oh là là, c'est insane. On a un healer au moins dans l'équipe. Je ne sais pas où il est. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est pas grave, les gars. Ce sera une défaite. Cela dit, c'est quand même vachement stylé. Ouais! C'est bien cool, une domination sur Overwatch, c'est vraiment génial. On va essayer de voir. Regardez-moi à quelle vitesse il emmène le drapeau! C'est en haut, regardez! Bim, il a gagné. Défait. Je m'en fous, j'étais pour l'équipe adverse, moi. Très clairement, j'étais pour eux. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Voilà, moi j'étais pour l'équipe adverse. GG. Action de la partie. GG Alec, beau jeu. Je suis content d'avoir été là pour t'aider. Ok. Là, le petit ulti. Ouais, c'était moi. C'était super, bien évidemment. Mais je me suis donné. Hein. Oh, il était... Il était là. Kero! Bienvenue, Kero! Merci pour les subs. 4 mois, Kero. Ça fait plaisir. Bienvenue. Say goodbye. Prends un petit peu de cristalline, Kero. Installe-toi. Bon, bah, c'était bien. Du coup, on va en refaire une. Je pense que... C'était tellement vite, comme vous avez pu le voir, que c'était lourd. 2700 dégâts, c'est quand même vachement joli. Médaille de heal, n'est-il point, hein. C'est une élimination, nouveau record. Le buzz. Quel joueur. Quelle honte. On va se refaire. On va se refaire. Prochaine partie, je la sens mieux. Oh là là, c'est tellement stylé. Nouvel an chinois. J'espère que c'est exactement le même mode de jeu, par contre. Bon, vous savez quoi, on va prendre soldat, sinon. Non, mais il faut sûr que ça passe, hein. Faut juste que l'équipe se concentre un petit peu plus, quoi. C'est tout. Mais ça se fait, hein. Ça se fait. Oh, du coup, on va apprécier un petit peu la map. Donc là, c'est l'entraînement. Donc on a des petites tables, comme si on était dans un resto chinois. Avec les petites baguettes. Les petites amuse-bouches, là. La bouffe, les nems. Normalement, est-ce qu'il y a un aquarium à poissons? Parce que dans tous les restos chinois, normalement, il y a un aquarium à poissons avec des carpes koi. Voilà, s'il n'y en a pas, c'est qu'ils les ont mangés. Donc faites attention quand vous prenez des nems, c'est qu'ils les ont bouffés. Voilà, la discussion. Ah non, mais ça sert à rien de parler in-game, hein, les gars. Il n'y a personne qui parle à notre niveau. Hein. Personne ne parle. Et là, en plus, c'est pas du ranked. Donc du coup, non, il n'y aura pas vraiment de team play entre nous. Enfin, on peut toujours essayer. Hello, guys. Hello. Le micro ne marche pas ou quoi? Hello guys. Hello. What the fuck. Ouais. Appuyez pour parler. Social. Bah merde, attendez. Ah, c'est peut-être moi qui... Bah non. Volume de voix. Bon, c'est pas grave, on verra ça. Hello guys. Hello, hello. Putain, j'ai dû toucher un truc encore, j'ai dû tout faire bugger. Bon, bah, c'est pas grave, pas de micro. C'est pas gênant. De toute façon, j'ai envie de vous dire. Il y a rarement de team play, hein. Souvent, c'est chacun pour sa gueule. Alors, Bastion sur ce point, je sais pas trop. Mais là, vu que c'est de la capture de points, pourquoi pas, il peut camper ici et défendre. C'est pas une bonne idée. Nous, on va essayer d'aller voir ce que ça donne. C'est bizarre de jouer sur cette carte. Ok, on a un Pharah.
Je suppose qu'on n'a pas d'antifara. Ça va piquer un peu. Ok. On va aller chercher leur point. Non, touche-le. On capture. Ouais, c'est beau. On va chercher la vie. Eh ouais, garçon. Qu'est-ce que t'as cru? Ouais, les gars, ils sont là, les gars. C'est Ra Super qui ramène le point dans l'équipe. Attention, 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 quel joueur! Boum, boum, boum! Double dab. Bam! Qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais! Bah ouais! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah ouais! Il va tenter, il va tenter! Merde, il a régène un petit peu sa life là. Il est parti. Il est où le gros? Ah! Ouais, c'est vrai qu'il a été switch depuis la dernière fois, peut-être que je fasse gaffe. J'ai l'impression qu'ils ont modifié les icônes de kill aussi. C'est un petit peu différent. Bienvenue à ceux qui arrivent, les gars. Bienvenue, bienvenue. Yo, Naket. Bienvenue, Naket. Allez, go. Je vais finir le boulot. Fatal qui a fait le boulot, là. Je sais pas qui a la tué après. Petite icône un peu chelou. Bon, alors, ça fait 1 pour nous. On va essayer de reprendre des points, les gars. Zinedine Zidane d'Overwatch. Zinedine Zidane d'Overwatch, bien évidemment. Oh là là, Wartek. Et en face, il fait le carnage. Le petit ulti pour déplacer le point. Sinon, on peut jouer le temps. Hein. On peut jouer le temps. Après, ça va peut-être se finir en mort subite aussi si on joue le temps. Donc, j'étais pas trop. Non, Arma 3, on switch après Arma 3. Avant, je voulais tester la petite mise à jour. Oh, le petit bunny en ulti. J'adore ce qu'ils ont fait au niveau des icônes là. C'est vachement stylé. Faut les empêcher. Allez, Diva. Go, 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 plus de life. Voilà. C'est un bordel, je sais pas ce qui s'est passé. Ok, il y a l'autre là-bas qui casse couille là, le snipe. Allez, chiante, hein. Attention, Zinedine super est en train d'y aller. Repositionnement en cours. Zinedine, attention. Ah. On va essayer de voir de rechoper l'autre sinon si elle monte. Il y a l'autre qui arrive en face. Vas-y. J'ai poteau. Ok, il y a la tourelle, il y a la tourelle. On est là, on est en attaque. 2-2, 2-2, 4-2, on est prêt. Diva, il va. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Elle fait très très mal la tourelle. Elle fait très très mal. Où est la life? Ok. Ah putain, merde, elle a pris la life. Il a pris le drapeau, faut aller le stopper. Faut aller le stopper. Attention, attention, faut de la def, faut de la def. Faut de la def. Faut de la def. Non, elle a pris la vie. Non. Oh, dommage. Vite, on est là, faut prendre le point. Ah non, merde, notre point, il est déjà parti. Ah, je suis con. Oh putain, merde. Prendre le drapeau. Ok, ça a repris. Allez, on escorte, ça va faire 1-1. C'est le nain. Oh putain. Ah ouais, je suis tout seul aussi. Ok, 2-2. Vous inquiétez pas. On va perdre. Pas possible ça, y'a pas de def. Y'a pas de def. Ouais, c'est une nouvelle mise à jour sur Overwatch, exactement. Spécial nouvel an chinois. Du 24 janvier au 13 février avec des nouveaux skins et ce nouveau mode de jeu du coup. Que l'on découvre ensemble sur cette magnifique map de Lijiang, tour de Lijiang. Principe excellent, domination, on connaît tous ce mode de jeu sur Call of Duty, Battlefield ou autre. Et c'est bien cool qu'il l'ait mis. On va juste essayer de... Vas-y poteau.
Meurs, meurs, meurs. Oh là là, le bastion et le nain sur le point. Quelle défense! Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Hein. Est-ce qu'on a une dev de titan, nous aussi? On a une petite dev quand même, on a un bastion sur le point, je pense. Ça va être chaud, sinon on pourrait claquer un Reinhardt au-dessus aussi, mais... Pour l'attaque, ça va être chaud, quoi. Ou Tresseur peut être pas mal, je pense, pour aller chercher les points. Le souci, ça se ferait exploser directement. Il est où, bastion? Bastion, il attend même pas ici. Ok, c'est en train d'arriver. Faites gaffe, non. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a cru qu'on allait lui laisser le point, là. Elle est folle. Oh putain, l'autre il est en ulti. Besoin de vie, les gars. Nice, le nain. Ah, GG, ça c'est du beau jeu. Oh là là, il a eu un de ses lags, l'autre. Dommage. Le truc de son, il sert à rien, il aurait dû le mettre 3 secondes avant. Il reste 30 secondes. Que va faire Zinedine David? Que va-t-il faire? Va-t-il descendre du bus pour aller s'entraîner? Il ne sait pas, il ne sait pas. Est-ce qu'il tente? Ok, ça arrive, il y a Diva qui est en difficulté. Oh putain. L'autre, elle arrive là. Fait chier. Faut les défendre. Ça va sur le point, ça va sur le point, ça va sur le point. Elle est où? Nice. Je protège. On va pas se faire prendre de points. 2-2, égalité. Ah, match nul. Match nul, c'est mieux qu'une défaite. Tresseur, ouais, Tresseur, ça peut être pas mal. Lucio est top, ouais, c'est vraiment stylé. Yomoki, bienvenue. Tirgus qui est là. Bon, bah, c'était beau. C'était beau. Bon, j'ai rien fait d'incroyable, mais voilà, petite vidéo sur le DLC. Pas sur une nouvelle mise à jour. Wakatepi Okona. Oh, 3 kills. Joli. Joli, joli. Alors, qui c'est qu'on va liker? Je sais pas. Allez, je me like. Voilà, parce que... Bah, parce que faut encourager quand même un petit peu. Voilà, 2 éclosions mortelles sur l'ulti. GG, bah écoutez, la partie est plutôt stylée. Bientôt niveau 100, donc la petite étoile qui va tomber. Ne regardez pas ces vilains dégâts, c'est vraiment tout pitié. D'ailleurs, comment ça se fait que ça a été reset? Attendez. Quitte la partie. Ouais, non, non, c'est bon, ça n'a pas été resté, toujours le même truc. Très bien, très bien. Bon, écoutez, le niveau 100 qui débarque, nouvelle mise à jour. Du coup, je vais passer niveau 100 rapidement. Et comme ça, pour débloquer les petits coffres, avec un peu de chance, les coffres qu'on va débloquer, ce sera pas cela, ce sera cela. Ce qui peut être assez sympathique, les coffres lunaires, là, pour les petits skins. Dommage qu'il n'y en ait pas sur Faucheur. Dommage qu'il n'y en ait pas sur Soldat. Dommage qu'il n'y en ait pas sur le Nain. Mais après, c'est vrai que pour Noël, on avait quand même été vachement gâtés. Le petit faucheur en glaçon qui était cool. La petite May qui était sympa aussi. Le petit nain qui était cool. Il y avait Winston aussi qui avait eu son petit skin des familles. On avait eu qui? On avait eu Lucio aussi qui avait eu le petit skin de Noël. Donc c'est vrai que quand même, bon voilà, on va pas pleurer. Mais dommage. J'aime bien quand il y a des skins sur faucheur. Là, il n'y en a pas, c'est bête. Parce que c'est vrai qu'un petit skin chinois aurait pu être sympa, un petit peu en mode samouraï. Ça aurait plutôt bien collé au personnage en plus. Bon, même si un samouraï, ça se bat pas avec des piou-piou, mais vous comprenez l'idée, ça aurait pu être cool. On va regarder vite fait son bras, est-ce qu'elle a un truc? Non, ouais. J'ai l'impression qu'il y a que certains persos qui ont eu des trucs. Tracer, à mon avis, Tracer, elle en a eu un. Robe... Joli. Joli, joli. Et en plus, c'est pas cher. Parce que d'habitude, les skins de Noël, ils étaient un petit peu à 2000, enfin à 3000 pièces, je crois. Et là, on peut avoir des petits skins spéciales, spéciales nouvelles mises à jour pour 750 pièces, ce qui est plutôt sympathique. Fin de vidéo, bisous chouchou, merci Kero pour le last sub. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner, c'était super. Fin de vidéo sur Overwatch, bisous chouchou.